Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay commenté de Assassin's Creed Origins sur PlayStation 4. Édité et développé par Ubisoft, sorti officiel le 27 octobre 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Sans plus attendre, je sais que j'étais à côté d'une zone hostile, donc on va commencer avec une phase de gameplay. Beaucoup de choses ont changé dans ce nouvel opus. Beaucoup plus axé RPG, vous voyez que les dégâts sont affichés, sont enlevés au-dessus de la vie de vos adversaires. La garde, la contre-garde est présente avec votre bouclier tenu en main gauche. Vous avez le choix entre diverses armes, telles que les lances, les épées courbées, les masses, ou même les sceptres. Bordel, le mec est mort à cause des flammes, quoi. Enfin bref. Beaucoup plus fluide comme vous pouvez le voir, Bayek, le protagoniste, un Medjae, je vous expliquerai de ce qu'est la définition du Medjae et de quoi bah, dans le scénar il en retourne au fur et à mesure de ce gameplay. Vous le voyez beaucoup plus fluide. Hop là, parfait. Le finishing move, vous avez un finishing move avec toutes les armes du jeu. R1, R2 pour pouvoir l'activer, c'est une barre qui s'augmente au-dessus de votre vie quand un combat est lancé. C'est cette petite barre bleue qui apparaît juste en dessous, là, que vous voyez, elle clignote et elle augmente à chaque hit que vous pouvez donner. Au bout du con. Esquiver avec la touche carré et triangle pour mettre des fumigènes et prendre l'avantage dans un duel. Les ennemis ont différentes carrures et vous offriront plus ou moins de difficultés lors d'un affrontement. Le niveau est affiché au-dessus, le mien est affiché en haut à droite de l'écran. L'objectif est écrit en haut à gauche. Bref. C'est assez intuitif, on s'y repère assez facilement, même si la difficulté du jeu résidera dans l'apprentissage du gameplay pour les puristes et les connaisseurs de la saga. Oubliez tout ce que vous avez pu voir des précédents Assassin's Creed. Le gameplay a complètement changé, la façon d'attaquer les adversaires l'est aussi également. Franchement, c'est une nouvelle saveur, une nouvelle patte. Ce jeu ne s'appelle même pas Assassin's Creed, voilà, il est vraiment trop différent. Bon, du coup, ce finish est juste génial, j'adore. Jouer à la lance, ça vous offre une allonge de malade et en plus, ça fait des dégâts. En parlant des armes, plusieurs niveaux de qualité. Vous aurez du bleu, du violet et du jaune en fonction de la rareté et des dégâts qu'ils font. Hop, voilà, normalement, c'est ce bouclier-là que j'ai récupéré. Ouais, voilà, il a plus de PV que l'autre. Donc voilà, vous pouvez détruire bien sûr les objets pour récupérer un petit peu de ressources. Du coup, bon alors, on continuera. Je m'attarderai sur le menu un petit peu plus tard. L'objectif est là-bas. Petit coup sur la flèche du haut. Voilà, ça affiche un scanner pour voir s'il y a des collectibles ou des ressources à récupérer. Il n'y en a pas autour de moi. Je me dirige du coup vers le phare. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est une bouée? En tout cas, c'est pas récupéré. Enfin bon, non, franchement, niveau graphique, il est pas dégueulasse. Il n'est ni plus beau ni plus moche que le Syndicate qu'on a eu en 2015. Mais comment vous dire, je le trouve plus beau uniquement au niveau des cinématiques. Après, niveau graph, il n'y a pas grand chose qui a changé. Si ce n'est du coup le cadre, on se retrouve plus vers l'époque Assassin's Creed premier du nom, avec les troisièmes croisades à Jérusalem en 1191. L'époque, voilà, Altaïr, on s'y retrouve un petit peu là-dedans. Enfin, parce que bon, au niveau architectural, ce n'est pas pareil, mais au moins c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu corrélé, quoi. Bon, alors, donc du coup, voilà, si vous n'avez pas compris, j'ai fait tomber la nuit, hein. Appuyer sur le pavé tactile vous permettra, du coup, de méditer avec Bayek et de faire avancer, de passer d'un fuseau horaire à un autre. Donc ça, c'est assez sympa. Inutile d'attendre que le temps défile quand vous voulez rencontrer un personnage secondaire du jeu qui va vous amener à activer une mission. Donc voilà, que je vous explique brièvement, un Medjae, qu'est-ce que c'est? À l'époque de l'Égypte ancienne, le jeu se déroule en moins 50 avant Jésus-Christ, donc date repère généralement qu'on apprend à l'école, un peu de culture G, moins 52 avant Jésus-Christ, défaite de Vercingétorix face à César à Alésia. Donc on est à l'époque César et Cléopâtre, pour vous donner une image, vous avez tous vu peut-être le film français Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et ben voilà, on est pile dans cette époque historique. Un Medjae, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un protecteur de pharaon, c'est un protecteur de dieux, car à l'époque, les pharaons sont considérés comme des dieux, ce sont les seuls à avoir le plein pouvoir dans le pays. Une fois qu'un pharaon est mort, après son exhumation, son embaumement, et puis une cérémonie mortuaire digne d'un pharaon, les Medjae, en fait, sont des protecteurs non seulement des dieux, donc de ces pharaons, mais aussi de la cité.
les premiers Medjay de base étaient enfermés dans le tombeau avec leur pharaon, car il est dit. Alors attendez, je fais juste une brève parenthèse, donc, parce qu'on m'a demandé d'activer Senou, c'est bon, je l'ai repéré. Senou, en fait, c'est son petit aigle, vous n'avez plus la vision de l'aigle, une simple touche du haut, au lieu de rester appuyé pour afficher le marqueur, vous donnera la vue de Senou et vous pourrez survoler la plupart des zones connues de l'Égypte pour ensuite faire des repair points et vous amener à votre objectif. Donc c'est beaucoup plus intuitif et c'est vachement mieux. Donc voilà, pour revenir à mon histoire, les anciens Medjay en fait étaient enfermés dans les tombeaux avec les pharaons et mouraient de faim, vu que le tombeau après était scellé. Et il était dit, les légendes disent, que lorsque quelqu'un n'est pas embaumé après sa mort et qu'il n'a pas une cérémonie funéraire, eh bien son âme continue de errer dans le monde des vivants. Et c'est pour ça que les Medjay, même après leur mort, ben, leurs âmes continuent à protéger le tombeau du pharaon. Après, ça a évolué, etc. Hein. Du coup, bon, voilà, je vais m'arrêter un petit peu sur la culture G du jeu. C'est histoire de vous apprendre un petit truc si vous êtes fanat un petit peu de tout ce qui est lore historique dans les jeux vidéo. La discrétion est toujours au rendez-vous. Hein. Il suffit de vous mettre derrière un adversaire. Voilà. Un petit coup de triangle et ça suffit. Je vais même pas aller attaquer les autres. Je vais de suite faire l'objectif. Voilà, zone. Du coup, zone interdite, hein, où est-ce que vous allez vous faire de suite spot et attaquer. C'est la barre rouge au-dessus. Hein. Normalement, la barre est blanche quand vous êtes dans une zone neutre. Lui, il a fait tomber un truc. Voilà, des flèches et de l'or. Yes! Quand vous sprintez et que vous bourrinez la touche triangle, vous pouvez néanmoins créer un assassinat alors que la personne, l'ordinateur vous a remarqué. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut toujours prendre un petit peu de l'avantage même quand on est repéré. Quel travail! Quel travail! Du coup, voilà, de nombreuses quêtes secondaires vous seront proposées. Putain, j'arrive pas à passer. Ah, enfin, bref. Oh putain, mais il allait vite. Oh, Damastes, là, du calme sur le Red Bull, là. Le mec, il me met une feuille, quoi. Enfin, bon. Du coup, de nombreuses missions secondaires vous seront proposées dans le jeu, ainsi que, bon, la trame principale qui va vous prendre plusieurs dizaines d'heures, croyez-moi, le jeu est quand même assez long, et pour faire le jeu vraiment à 100%, toutes les missions, dans toutes les contrées de l'Égypte. Ouais, clairement, si je vous dis 200 heures minimum, est-ce que vous me croyez? Bah, que vous me croyez ou non, faites-le vous-même, vous verrez bien. Franchement, le jeu est très long, on en a pour notre argent, et on ne regrette pas d'avoir attendu 2 ans de peaufinage pour que Ubisoft nous sorte enfin un nouveau volet de la saga Assassin's Creed. Franchement, il est... comme je vous ai dit, franchement, oubliez tout ce que vous avez pu voir. Certes, sur la forme, c'est à peu près pareil, ça reste un Assassin's Creed, mais sur le fond, vraiment, tout a changé. 251 mètres, waouh. Je vais pas y aller à la nage, hein. On va prendre le bateau. Au moins une petite phase de conduite bateau. Bon, on est loin des bateaux de Black Flag, hein. Ça va pas être de la baston à la Assassin's Creed 3 ou Assassin's Creed 4. Allez hop, on va activer Senou. C'est où? C'est par là, voilà. Il faut bouger le joystick jusqu'à que le cercle doré se rétrécisse au plus pour pouvoir ensuite spotter l'endroit. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, il faut récupérer donc ce fameux rouleau. Alors que ce mec, si vous avez bien lu, ben, le rouleau il l'avait pas et il était dans un bateau qui a coulé. Donc là, votre barre d'apnée est en bas à gauche, c'est bon voilà, comme je vous ai dit, tout est bien indiqué, vous n'allez pas vous perdre dans ce jeu, tous les points d'interrogation en haut sont des missions secondaires. Ah, il y en a vraiment, il y en a énormément à faire, hein, et même moi je n'ai pas le courage de tout faire, hein. Franchement je souhaite bien du courage à ceux qui veulent platiner ce jeu. Bon, on va remonter sur le bateau, et on va du coup ramener le rouleau à Apollodorus, la personne qui m'avait donné cette mission. Voilà, vous pouvez découvrir donc du coup des lieux qui vous rapportent de l'XP, barre d'XP en haut à droite qui s'affiche à chaque fois que vous faites quelque chose qui pourrait éventuellement vous ramener de l'expérience. Hein. Donc voilà, vraiment beaucoup plus accès RPG. Hein.
On a ce système de crafting, la chasse est de retour pour améliorer votre personnage. En fonction des animaux que vous allez tuer, vous allez pouvoir augmenter votre brassard, votre carquois, votre armure. Bref, grâce à ça, vous allez pouvoir regagner de la vie, du moins augmenter votre life bar, parce que ce n'est pas que les niveaux qui vont vous faire monter le tout. Attendez, mais 611 mètres, oh, ça va être long. Je vais appeler mon canasson. Voilà. Elle est dans ma propriété. Ah, qu'il est beau mon cheval. Un petit cheval légendaire, au plus grand des calmes. Bon, ça c'est grâce au Ubiplay, je crois même qu'il est gratuit, vous pouvez le prendre de suite dès que vous avez le jeu. Ça va être vraiment trop long. Est-ce qu'il pourrait monter sur le bateau en fait? C'est ça que je suis en train de me dire, mais... Oh oui, oui, oui. Oh yes, oui, c'est bon. On va pouvoir y aller en bateau, ce sera beaucoup plus simple. Ah bah oui, oui, clairement. Remontons le fleuve. Ce sera beaucoup mieux. Après, du coup... vous n'avez qu'à voir par vous-même, hein, niveau beauté. Non, après, c'est vrai que... Bon, je suis méchant quand je dis qu'il n'est pas plus beau que Syndicate. C'est juste que le cadre est complètement différent. Et donc, quand on regarde la vastitude de cette étendue qui s'offre à nous... Oui, on dit malheureusement vastitude. Je sais que c'est un mot dégueulasse, mais c'est français. Quand on voit vraiment ce grand panorama avec ses nous et tout, on se dit, purée, le jeu est beau. J'avais pas vu le pylône. Mais on se dit, voilà, le jeu est beau, etc. Mais en fait, c'est juste le cadre qui est vraiment, qui est juste pas le même. Mais après, niveau graphique, il est pas plus développé que ça, hein. Franchement, niveau graph, je trouve qu'il a pas de grosses nouveautés. Peut-être un léger lifting qui fait peut-être du bien à la rétine, certes. Mais bon, c'est pas... Alors, du coup, que je vous montre un petit truc. Là, vous voyez, je suis actuellement ici. Et je vous montre un petit peu l'étendue de la map, hein, parce que je vous parle de la vastitude, donc autant parler. Vous voyez, tout ça, ce sont des continents qu'il y a à trouver, avec chacun, tout ce qu'il y a, ma parole. C'est, voilà, avec chacun ses zones et ses ennemis qui ont leur propre level, c'est du phasing map, en fait. Et pour info, vous savez, j'ai commencé ici, par là, là, et je suis arrivé là. Depuis le début de cette vidéo, on n'a fait que ça, donc quand je vous dis que la map est grande, c'est que vraiment, elle est grande. C'est un truc de fou. Et donc du coup voilà, du phasing map, quand vous allez passer d'une contrée à une autre, les ennemis vont avoir un level supérieur. Oh, mais elle est vachement mieux celle-là. J'ai pas l'habitude de jouer à la massue, je me demande ce que ça doit faire. Hop, on va taper avec. Ouais bon, c'est lent, mais en tout cas ça doit faire sûrement mal. J'ai vu dans le descriptif que ça tuait en un coup, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, donc maintenant faut que je le suive, quoi. Le mec me suivait comme un chien, et maintenant il faut prendre son temps, quoi. Au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aya apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ah oui, donc c'est vrai, Apollo de Russe va m'amener voir Cléopâtre. Nous allons voir ensemble, chers amis, à quoi ressemble Cléopâtre. Tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. Sa puissance légendaire est-elle égale à sa beauté? Nous allons le voir. Tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questions. Oh ouais, bon, en gros, je peux rien faire avec elle, quoi. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même. Parle clairement. Bordel, la meuf, c'est Staline, quoi. Elle t'envoie au goulag, quoi, si c'est... Impatient. Et hop, des flèches. Ouais, c'est bon. J'ai pu peut-être récupérer des flèches. Je m'en fous, j'ai récupéré mes flèches. Non, les flèches, c'est assez rare à récupérer. Enfin, si, sur les cadavres, des fois, des archers. Les archers, d'ailleurs, hein, franchement, faites gaffe. Main sur les dégâts. Ils ont très peu de vie, mais qu'est-ce qu'ils vous font mal, ces bâtards? Ils vous lâchent pas. Bon, les festivités. Oh, la voilà. Où est ma pipe d'opium? Ah ouais, ça se drogue. Ça cut de la night, là. Je coucherai avec qui veut. Wouah, la catène des pyramides. Comme Xantides. Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. What? Qui est ce délicieux? Ok, tu niques avec la reine, mais après tu meurs le lendemain. J'espère que c'est un bon coup, au moins, ça vaut la peine de crever. Voici
Alors ? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Ah, voilà la femme de Bayek. Venez. Aya, qui elle aussi dans son style, elle est très... Ouais, c'est une grosse chaudasse en fait. Je voulais trouver un mot plus soutenu. Mais non, il faut dire ce qui est. Je crois qu'il n'y a pas une scène où est-ce que quand il se... Voilà, elle lui tape dans le cul, enfin bref. C'est limite si c'est elle qui porte la culotte quoi en fait. Mais comment dire, il n'y a pas une scène où est-ce qu'il y a Bayek et Aya où est-ce qu'ils sont pas en train de niquer. Ça c'est abusé par contre. J'étais un peu surpris de voir qu'il y avait autant de scènes un peu de baise dans ce jeu quoi. Nous ne savons pas. Bon, après, vous allez me dire en Égypte, à cette époque. De l'ordre des anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché. Fêtez quoi que ce soit, tu niquais quoi. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Depuis le début du jeu, je dois être à une vingtaine d'heures. Anciens, et. En fait, au début du jeu, vous allez avoir 5 gardes à tuer pour remonter jusqu'à un type masqué. Et chaque personne porte des noms d'animaux, comme le serpent, l'oiseau. Ils sont incapables d'atteindre l'ordre. Dans toute l'Égypte, des forces. Et en fait, il faut tuer ces 5-là, et en gros, ça... Ça débloque juste un trophée qui dit que le jeu ne fait que commencer. Donc franchement, le jeu est vachement long, quoi. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est voilà, ce sont ces hommes masqués là en fait. Et ces types-là ont buté le fils de Bayek. Et depuis, en gros, c'est une histoire de vengeance pour Aya et Bayek qui veulent venger la mort de leur fils. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est marqué par la mort et la ruine. Et puis il y a Memphis. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle donc on a à nouveau des animaux, donc il va y avoir encore des têtes à faire tomber. C'est génial, donc voilà comment je vais découvrir le reste de la map. Donc ça va être vraiment une chasse aux cibles. On retourne un petit peu aux origines vraiment des premiers Assassin's Creed. On va aller dans un continent, on va aller faire un point de synchronisation avant de faire un saut de la foi, trouver des indices, etc. et faire tomber le chef. Et ça, franchement, c'était une recette qui marchait vraiment bien. Même si le 1 était très répétitif, je crois que là, maintenant, avec la saveur de tous les nouveaux, de tout ce qu'il y a à faire en plus pour rajouter divertissement et faire en sorte que la lassitude ne soit pas présente, remettre ce qui était au goût de Assassin's Creed 1 sorti en 2007 sur PlayStation 3, ben je pense que ça peut faire un gros mix parfait. Moi en tout cas déjà je suis hypé déjà depuis le début. Et si c'est en fait l'objectif principal de ce jeu et la tournure que va prendre le scénar, ben banco. Bon, on a vu la tête du fils de Bayek. Il a plein de... Enfin il a un trauma en fait depuis la mort de son fils parce que... Non, en fait, non, je vais pas vous spoiler, en fait. Je vais pas vous dire comment est mort son fils. Déjà que je vous ai induit en erreur par rapport à sa mort. J'essaie de pas non plus trop vous spoiler. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjay. Protecteur du seul et unique pharaon d'Égypte. Waouh, la promotion de bâtard. Il en soit ainsi. Ce soir. Et voilà, ça y est, il parle de niquer encore. Il pense qu'à ça. Faisons l'amour. Je t'aime. Oh, remarque, tu me diras avec une gonzesse pareille. Oh, il est beaucoup plus beau en plus ce saut de Medjay. Donc voilà, après ça reste vraiment système RPG, chaque fois que vous prenez un level, vous avez un arbre de compétences à monter qui a 3 branches. Et c'est vachement sympa. J'attends d'avoir un point de plus pour pouvoir activer une nouvelle compétence. Ah ben, voilà, il suffisait que je le dise. Alors, aptitude... C'est parfait, donc du coup je vais me chercher, en fait c'est un point où est-ce qu'on peut débloquer un deuxième arc, je ne sais plus où il est,
Donc voilà, chasseur, guerrier, clairvoyant. Je crois que c'est lui. Voilà, un deuxième arc. Je vais pouvoir avoir un deuxième arc sur moi. Vous pouvez avoir deux armes au corps à corps et maintenant deux arcs. Allez, j'en ai qu'un. Il va me falloir un. Vous avez deux types d'arcs. Vous avez des arcs qui peuvent jeter plusieurs flèches à la fois. Et un arc qui tire, c'est du monoflèche. Bon, là, dans les fabrications, il me reste pas. Enfin, voilà, j'ai pas assez chassé ni crafté pour m'augmenter mes ressources. C'est nous, vas-tu me trouver quelque chose? Ouais, voilà. Par exemple, ça, voilà, ce qui est entouré de bleu, c'est ce qu'il faut pour la chasse. Ah, ben voilà, tout ce qui est là-bas. Oh là là, il y a plein de choses. Voilà. Et bien, tout ça, là, une fois que vous le butez, une fois que vous butez certains animaux, ils vont vous donner les peaux correspondantes pour pouvoir crafter. Et c'est nous, vous aide à les repair. Et ça, franchement, c'est stylé. Ouah, les quêtes sont en rouge, j'ai pas le niveau. Voilà, j'ai que celle-là à faire, là. Donc on va s'y diriger, mais bon, de toute façon, je vais m'arrêter avant. Peut-être une petite dernière chose à vous montrer, que je regarde, je regarde en même temps mes fiches, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Si, est-ce qu'il y en a un? Oh, mais non, si. Oui, c'est parfait. Voilà, les marchands, vous avez des marchands, donc du coup, voilà, acheter, améliorer, ravitailler. Donc voilà, on va voir s'il n'y a pas de meilleures armes. Oh! Parce que moi, les épées incurvées, je préfère largement plutôt que les épées normales, que les glaives. Ah, un deuxième arc. Eh ben voilà! En plus, il a plusieurs flèches, il va en tirer plusieurs à la fois. Niveau. Ouais, bah ouais, mais je suis niveau 13 de toute façon, donc avant que j'arrive niveau 15, ouais, je vais paniquer tous mes sous. On va s'équiper. Donc voilà, vous avez des marchands, du coup, des tailleurs qui peuvent aussi vous faire de nouvelles tenues. Voilà, j'ai équipé une autre tenue légendaire pour que vous voyez un petit peu le skin de Bayek. Ouais, non, de toute façon, en plus, la masse était plus mauvaise, je la délète. Vous pouvez revendre les items, hein, au lieu de les démonter aussi, si vous préférez les ressources pécuniaires aux ressources consommables. Donc, vous voyez, voilà, il y a plusieurs flèches de dessinées en bas. Et chaque arc a ses propres flèches. Vous voyez, 4 dans ma main. Si je choisis l'autre, j'en ai qu'une. Donc ça, c'est assez stylé. Ah, le mieux dans l'histoire, ce serait de trouver des mecs pour s'affronter, mais bon, je pense que je vais pas en trouver d'ici là. Il y a l'objectif qui est là-bas. Attendez. C'est des mecs... Si, c'est des ennemis, ça. C'est des... On va voir ça. Ah bah, parfait. En plus, il y en a là. Oui, c'est des ennemis. C'est des ennemis. Bon, mais on va terminer par une petite phase encore à nouveau de gameplay. De gameplay fight. Voilà. Putain, mais crève. Oh putain, j'ai plus de munitions. Quelle horreur. Ah, il faut pas se mélanger les pinceaux, franchement, parce qu'après, il y a pas mal de touches à garder. À terre, je serai beaucoup mieux. Ah, mais en plus, il reste sur les chevaux. Ah oui, certains ennemis sont vraiment des bâtards. Ils vont favoriser plutôt la distance, et c'est une horreur, quoi. Bâtard, mais dégage. Voilà, je vais sortir mon épée courbée, qui fait beaucoup plus mal. Petite esquive. Pour parer, c'est la touche L1. Ils vont trop vite, ces enfoirés, quoi. J'ai l'impression de jouer au chat et la souris, mais je suis plus la souris, quoi. En plus, j'ai mon attaque spéciale avec mon épée courbée qui est prête, hein, histoire de vous montrer. C'est différents finishim, sauf que l'épée courbée, en fait, c'est carrément une stat, enfin une technique différente, en fait. C'est pas juste un coup, un mort. Il va y avoir un bullet time qui va s'activer, enfin, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est paré. Ça ne tue pas le cheval, hein, mais toucher le cheval, en fait, donne des dégâts à son cavalier. Ah, ça reste quand même épique, les bastons. Donc vous voyez, en fait, il y a un bullet time, sauf que je frappe beaucoup plus vite, en fait. Du moins, après, bon, le temps ne bouge. Enfin, il est légèrement ralenti, mais c'est moi surtout qui tape très très vite. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout montré brièvement pour ce petit gameplay de découverte. Sur ce, du coup, je vais m'arrêter là. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à ciao tout le monde !